Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens et frères sœurs, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est lundi 22 juillet 2024. Déjà, m'ap souhaite un très bon lundi et surtout une très bonne semaine d'information. Nouvelle la tombée, pas gué bien caché l'ombrite encore. Premier ministre Gary Conigne campé en maître pouvoir. Et fois ça, Gary Conigne, libre à jouer un jouet intelligent. Non, moment n'a pas l'air là. Lobby a fait par bon côté équipe premier ministre pour bénéficier une majorité 5 sous 7 en dedans conseil présidentiel qui pral permettre li prendre gros disposition. Gen un projet que conseil présidentiel transition a avec équipe premier ministre Gary Conigne sous route pour approuver. Un projet qui coûtait plusieurs milliards de dollars américains. C'est une opportunité qui pral créer 16 000 emplois directs à 80 000 emplois indirects. Déjà, faut que dit, nous avons pile moun qui bat gros bravo la contentement. Mais il y a pile lot tout qui a une inquiétude, puisque dans le cadre projet, si là, il y a pile information qui a circulé comme quoi, ça va même gagner exploitation dans les ressources naturelles, nous, dans le sous-sol. Nous. Déjà là, il y a une question qui a posé, et nous portons une vidéo pour vous qui pral permettre de gagner une réponse. Est-ce que c'est tout bon vrai? Pral gagner un gros bout de ton projet que l'équipe qui sous pouvoir paraît pour yon bay approbation yon sous projet si la, et est-ce que projet si la pral gagner pour avec exploitation sous sol nous, exploitation richesse pays nous. Rete connecté, détail yon a vini. Moi Jean-Charles décide lui-même la monte volume nan sous Gary Conigne. Quelques jours après des blousailles escombrites qui pété entre Gary Conigne à Claude Joseph, moi Jean-Charles mette kol de yon. Ce n'est pas deux trois causes, elle pas mettre dans pipe. Premier ministre, quand elle allait très loin pour le dire Gary Conigne, sous comprendre pour voir ça qui dans mon là, nous bois quatre branches pour faire sauver et bien on peut comprendre qui est qui Maurice Jean-Charles. Ça pral gen dans ville, ça pral gen dans pays et ça Maurice Jean-Charles avec équipe li, yo planifié là. Et bien gen bagaille pour qu'on ait rete connecté, nous pral partager information si la yo avec vous. Et c'est d'autant de formations, nous pourrons le partager avec vous. Déjà, il y a une délégation aux fonctionnaires dans le pays États-Unis qui débarque dans la coupe pays d'Haïti aujourd'hui. Là, nous pourrons le qui est sur yon, dans qui objectif yon faire visite là. Est-ce que yon viendra les oreilles Claude Joseph? Est-ce que yon viendra les oreilles conseil présidentiel là? Après yon te manqué manger à congrès sel premier ministre Gary Conigne, eh bien nous pourrons le exactement qui ça bagay yon yon. Déjà, ma invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification, comme ça vous prêter connecté avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. N'a commencé émission avec une vidéo extrêmement importante. Premier ministre Gary Conigne, ligetan lancé chantier élection. Nous remarquons PM nan, li nan plusieurs institutions qui gen pour avec et organisation élection, le passé dans CEP, le passé dans ONI, récemment semaine qui s'est passé à ta fond intervention dans cadre festivité yo t'a organisé dans question violation droit moun Gary Conigne abordé à nouveau question élection et nous est déjà là et pour rien sérieux nèg yo fait yo commencé faire pour préparer élection sous terrain. Pour élection rive fait, n'ap d'accord faut gen sécurité. Faut moun yo ka et pran la rue al voter, faut moun yo ka chercher centre de vote, yo bureau de vote, côté yo voye yo pou al voter tout ça. Moun ki kouri kite kay yo, moun ki kouri kite zone yo kon habitué voter, etc., etc. Donc là, nan tout démarche ka fait pa bon côté gouvernement, monter conseil électoral provisoire, mandé pour moun voye pour divers secteurs voye représentants. Moi même moi et son petit jouet en battable, son petit jouet et tout TV, son petit jouet mesdames qu'a fait pour montrer que sous que quoi qu'a fait. Mais au fond, si nèg yo pas qu'arriver résoudre problème insécurité, pas rien sérieux qu'a capable fait. Dans dernière année ça yo, question élection en pays, c'est pas ni une ni deux ni trois candidats à la présidence nous passé. Même rappelez-moi
on a une élection qui a été faite, nous avons plus que 50 candidats pour poste président. Ça veut dire, tout le monde sait, c'est le monde qui a l'intention qui dit, il y a un cas de changement de bagaille pour Haïti. Mais quand on a dit, quand on a fait un cas de passer dans notre pays pendant l'élection, le candidat, etc., à quoi pas attendre ou pas ouais ou pas qu'on qui activité y a mené ou pas qu'on qui activité y a géré y a pas jamais vraiment investi en rien pour changer condition la vie population alors ce que les bagay y a été fait bagay qui basique y a été fait véritablement si y a été voulu bah la République on coûte mais si y a été voulu changer condition la vie concitoyens nous si y a été voulu changer la vie population eh bien dans vidéo ça compatriotes haïtiens frères chum nous prenons gagner des détails. Nous prenons le temps de ça pour le dire. Eh bien, si intervenant, si moun ka parle à ça, le dire, nous d'accord avec lui, na fèm konne, ki ton commentaire. Si nous pas d'accord avec lui tout, na di pour qui ça nous pas d'accord avec lui. Parce que journée jodi, pendant yo recommencer avec question élection, yo retourner avec débat ça sous table, eh bien, faut nous konn côté nous camper, faut nous konn comment pour nous garder nèg yo, faut nous konn comment pour nous réagir. Donc, on va attendre et garder ensemble avec moi, vidéo aussi là. On a 72 candidats à la présidence. Puis comme tous les 72 font l'école professionnelle, oui. Nous avons 72 écoles professionnelles, oui ou non? Oui. Parce que j'estime que nous avons moins de gangs dans le pays à jeudi, si 10 ans avant, tout politicien était décidé de mettre l'école professionnelle et chercher job dans le pays. Si 10 ans avant, 350 partis politiques que nous avons en Haïti. Yon chat, te fait yon école professionnelle, te fait yon ferme agricole ou baye. Et y a mangé, jodi a nous patate dans le grand goût. Jodi a nous patate dans la situation côté 20 nous, dans yon nation qui est la République Dominicaine, qui parle nous, qui joue nous toute la journée, de vous rencontrer en Dominique, de vous énerver le droit, et un diable. Est-ce que ça vous fait du bien? Faut l'appeler énervé, faut l'appeler vexé. Moi, je suis énervé, vexé, je suis fâché, le Dominique a pris comme ça, et puis le peuple a continué à manger la caille. Sous une petite, toute la 7 journée, il peut aller chercher à manger la caille. Voisin, voisin, craché de manger avec lui. En comptant, attendez bien, il y a un monde qui a un petit. Ou pas de balayer 10 gouttes, les voler 10 gouttes là. Ou pas punir. Mais avant, je parlais de punition, je parlais de bâton. Il y a plusieurs bagages qui sont capables de punition. Ou pas mettre le chita pour expliquer ça, ça veut dire ça le faire. Prends 10 gouttes, il te met 5 gouttes. Qui pas pour vous, sans qu'on pas 10 mètres li que vous prenez, ou bien pas moins 10 mètres li, vous allez ça voler. Ça veut dire ou pas moun encore. Ça veut dire ou vin piti, ou vin piti 8. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder mon danger le fait qu'on fait. Si vous pas expliquer ça, n'importe l'air, il tourne gang, vous ne pouvez pas plaire avec personne. Pas de l'autre raison qui fait fier que je travaille avec nous. Mais estimez que nous avons droit, tout le monde qui a des défauts sur la terre, nous avons droit de commencer avec des défauts. Mais nous pouvons courir, même j'ai avec les gens qui ont l'âge, 90% des gens qui ont l'âge en Haïti ont pourri. Nous avons un exemple clair devant nous. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur politique, nous nous prouvons qu'il n'y a pas de monde. Et c'est parce qu'il n'y a pas de monde même qui fait construire une société comme ça. Autant de monde qui a mouru de goût, qui dans la misère, dans la faim, dans le chômage et dans la casse, en minorité 8, qui met 95% de richesse pays à nommer eux, et ils sentent à l'aise. Ils sentent à l'aise que toute richesse pays à nommer eux, au lieu pour eux. Partager un petit peu. Ne serait-ce que, vous me dites nos paroles, ne serait-ce que, nous faisons l'école professionnelle gratuitement pour apprendre jeunes des professions, pour être capable de venir travailler à tête, pour sortir dans une situation de vulnérabilité que vous avez. Pour leur aider comme dans la poche, pour n'importe qui ne pas venir offrir, on dit monnaie, pour faire n'importe qui zag. Pour grand groupe, pas faire accepter un zam dans mes personnes pour y aller faire n'importe zak pour pas vivre dans gang. Ça, c'est un partage. Ça veut dire l'argent pour eux même te payer ou payer pour eux.
Comme si personne ne parlait ça. Oui. Donc, c'est pas quantité l'argent qu'on gagne qui faut. Ce n'est pas qui qualité machine ou gagne qui faut monde. On seulement qui l'a moun. C'est moun l'a gagné caractère, l'a gagné dignité, l'a gagné moralité. Ou c'est moun l'a gagné sentiment. Ou c'est moun, surtout, l'a gagné moun dans les yeux. Et m'a gagné dernier bagage. Qui voulait dire c'est moun. L'a gagné tête ou mon miroir pour fier de vous. Voilà. Voilà, toute salle de doué, dio. Et dernier petit parti à moi mais en pile ou c'est moun l'a ka gade tête ou non miroir l'a gade tête ou et pour dire yes yes ou gade tout élément qui fait moun yo tout élément qui fait moun moun moralité décence respect ou pas gon doit qui pi long pas son l'autre ou toujours assurer ou bataille chaque jour pour être dans ligne nan. Mais en réalité, si n'a suiv bien mes amis. Si nèg ka fè politik en Haïti, nèg yo te gon volonté pou yo fon bagay, pou yo chanje yon bagay. Nan mizè, nan situation difficile, nan mauvais la vi moun ap pase an dedan peyi a. Ou kwè nou pa tap pi loin? Lò pran par exemple, élection ki fèt pou poste président. Nou gagne yon maximum de 50 candidats à la présidence. Toute idéologie confondue. Genèg ki dou moi-même c'est de droite, genèg ki dou c'est de gauche, genèg ki dou c'est centriste etc. Mais premier problème non c'est que yo pa ka regrouper yo pour yo di a gagner trois structures politiques, a gagner deux courants politiques, une droite, une gauche, Jean Saïe aux États-Unis, parti républicain, parti démocrate. Ouais, parti politique en Haïti ça grandit pire que Jonjo. Tellement yo poussé. Là, nous déjà, ouais, bon problème. Mais l'ovini, ou prend tout candidat à la présidence, ça yo. On seul palais. Bon, nous pas même palais même. On seul chaise bourrée. Ou gen 50 candidats, ou gen 60 candidats, ou gen 70 candidats. Yo tout yo nan kou sa yo dou, yo ka changer un bagay pou pays. Yo tout yo nan kou sa yo dou, c'est yo ka vin avec formule pour mettre Haïti sur route progrès, pour mettre Haïti sur route et développement, pour mettre sécurité dans le pays, pour créer travail, pour vin avec de grands tonton projet, etc. etc. Gen là-dedans, yo paraît sur route en coup de zèkle, c'est pas mon outil, j'aime qu'on tende, c'est pas mon coup, j'aime et qu'on a rien de li, ou pas ouè palmarès, si son moun qui en y crête, on coup de l'oreille kalel. Gen te la souterrain, même on ti poul yo pa gen. Même petit caloge yo pa gen yo pa investi nan rien yo pa aider communauté yo évoluer là-dedans et puis moun nan vini l dou li vle dirijon pays li vle président le chef d'état gen même après yo fin participer nan élection yo là yo pa investi nan rien alors que nous tout nous dit nous vle aider pays nous vle changer on bagay mais ces gens citoyens dit là oui c'est tout candidat ça yo. Yo te levon bon matin yo di bon OK. 50 candidats. Non 50 candidats gen youn ki bon. Eh bien que 49 lot yo, si c'est ensemble yo mete tête yo pour yo fon gros projet pour pays ou bien si chaque moun nan bo pa yo, nan camp pa yo di a fait 49 projet nan 49 communes nan pays gen kap di yo pran quelques départements etc. pour yo investi pour yo créer travail pour yo mettre des centres professionnels camp etc. pour nous former jeunes pour au moins nous créer opportunité pour demain pour nous empêcher pays de gringoler pour nous empêcher pays de gagner toute délinquance ça là dans li au moins si moun nan konnen li gon métier manuel nan men li ka manger li ka chercher la vie si le sorti là li ka faire des coups de tirel li ka faire des coups de pelle li ka poser des green block. Le ça l'a espérer l'a bon bagaille pour le manger l'a bon bagaille li ka rentrer la caille là avec lui li te mettre son chercher pain li te mettre son green avocat li te mettre son petit godet diri mais l'a gagné de quoi l'a bon bagaille côté que l'a ka chercher la vie avec dignité l'a ka chercher la ville avec honnêteté mais l'on pour un paquet vagabond habillé ou pour un paquet bluffeur politique
Yo vini dans l'élection en pile nan yo, c'est pour yo ka vin enrichi, yo vin faire en santé économique. C'est des séries de moun qui te a dépôt bouda yo kembe nan men yo. C'est des séries de moun qui pat souanye, qui pat kampe souanye, quel te candidat à la présidence, quel te candidat au Sénat, quel te candidat à la députation, pas même parler de municipalité yo. C'est des séries de moun qui rentre de bras balancés et puis les yo ap sorti. Tout poche pantalon yo, tout kele vit yo, tout tournan ko yo, yo serre million la dedans. Rentre pauvre sorti multimillionnaire, c'est comme ça pour vous en Haïti. Et l'on ap gade au final, ou pa wè ki sa yo kite comme héritage, ou pa wè ki sa yo kreye comme projet, ou pa wè ki sa yo mette kampe comme initiative pour aider jeunesse, pour aider moun ki pi febyo, pour aider moun ki pi bayo. Donc journée aujourd'hui on veut nous commencer prendre leçon. Ça pour ça on vient avec vidéo ça pour le motiver ou. Élection pour arriver là n'a regardé parcours politique de série de nèg là. Là n'a regardé bilan politique de série de nèg. M'a prend des séries de exemple avec nous. Moun ça c'est pas des séries de moun que mon bagage personnel mais c'est moun qui influent dans politique là. L'autre par exemple dans département sud-est ou prend Jacques Mel. Ou pour un nèg tankou Lambert. Lambert il était plus animal politique parce que nèg yo konnen véritablement c'est ami jouet politique qui a joué à ces seuls animaux qui t'a fait bagay ça. Son bataille sans état d'âme. Son bataille nèg yo retire conscience yo vendre conscience yo. Vous comprenez? Donc mounité a yo pa gagné le mounité a yo perdu. Nèg la il était plus animal politique. Bon avance. Mais m'ta remé moun sud-est pour yo camper pour yo dit qui ça de significatif comme projet comme institution comme entreprise que moun sa yo mette camper par exemple Lambert mette camper pour le dire que pendant te sénateur de la République mais comment t'a servi communauté mais comment t'a desservi communauté mais qui ça t'a fait qui t'a aidé jeunes yo avancer mais qui ça t'a fait qui t'a aidé un groupe jeune progresser, li t'a bail travail, li t'a permettre bon métier dans mer etc. cetera. On va parler de parrain promotion non. On va parler long groupe petit jeune vini, yo pral graduer dans philo dou, sénateur, bon parrain promotion ou ba un chèque 100,000 goud, un chèque 500,000 goud, un chèque 250,000 goud. C'est pas de ça m'a parlé non. M'a parlé après d'Istanbulou. M'a parlé qui ça de significatif nèg yo créé sénateur yo député yo magistrat yo gen qui fait 2 mandats sénateur 3 mandats sénateur 4 mandats comme député yo là dans département yo là dans commune nan. Yo préféré les gen l'an mort vinn côté yo bon 25,000 goud les gros ka maladie ou vinn côté yo bon 25,000 goud 10,000 goud yo mettez un petit enveloppe pour l'école pral ouvri, yo bon 10,000 goud, yo cherchon 50, on 50 maman, on 50 papa petit. Yo fin pran l'argent nan palman, yo mette l'an ti enveloppe distribuye. Lesa wawè yo tankou gros bon Dieu. Wawè yo tankou sauveur. Et pourtant nèg yo, c'est sou mizè ou y a pi a fè, c'est sou mizè ou y a pran richi yo. Donc journée jodi on pose tête nous question, est-ce que nous ka continuer à mettre des séries de moun au plus haut niveau de l'État? A choisi des séries de politiciens pour représenter nous, des séries de moun pour nous continuer voter pour yo, des séries de moun pour nous continuer à sal doit nous pour yo dans élection. Al prend risque pour nous voter yo et puis l'on regarde qui ça yo pral bay comme résultat. On regarde 5 ans après 10 ans après ou style pas ka manger. Petit tout ou style pas ka voye l'école. Petit tout au lieu la ville ta changé, li vin gros chef gang. Li tourne soldat dans base gang. Donc journée jodi a pendant Gary Conn a parlé de grand chantier pendant nous international la déguidon par des notre conseil présidentiel transition notre primature premier ministre pour organiser préparer question élection et bien faut que nous même nous commencer préparer cerveau nous faut que nous même nous commencer préparer terrain nous tout faut que nous même nous commencer mobiliser motiver pour nous dire ça qui t'est passé dans verre elle pas passer dans enterrement. Nous prenons 3 députés, sénateurs, magistrats, présidents, abolotcho, qui montent chaudière sous nos peuples, qui descendent sous nos yo, sous nos acolytes, sous nos amis, sous nos familles, nous pas jamais bénéficier en rien véritablement.
Donc là, on a fait un petit retour, là, on a fait un petit bac. On a fait un petit bac. Et n'a pas comprendre véritablement intervention citoyenne qui est placée. Parce que si nèg yo t'a fait un bagaille, si tout candidat ça yo t'a fait un choix pour mettre tête ensemble pour faire un bagaille pour pays, Haïti t'es capillon. Maintenant là, nous gagnons ambassadeur américain qui lui-même dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, qui débarqué dans tête yon délégation, qui débarqué dans pays d'Haïti. Eh bien, dans quatre visites là, c'est façon par États-Unis pour réaffirmer et support yo bay transition, pour réaffirmer support yo et dans démarche que yo te entreprendre pour voyons force multinationale dans pays. Qui ça qui dit ambassade américaine yo font poste côté yo déclaré nous sous sol Haïti ya. Nous là pour nous réaffirmer qu'aucune chaîne si pas n'a bail pour transition démocratique l'arrivée faite en Haïti et puis pour sécurité et bien-être blahi pour tout haïtien. Et pour cela c'est un retweet que ambassade là lui-même lui fait et suivant poste ambassadrice lui-même lui t'est fait. Donc dames à n'a gardé avec et quand ça joue Jean, c'est lui-même qui ambassadrice, c'est lui-même qui a la tête délégation ça qui rivé dans pays d'Haïti jodi là. Et avant de faire émission, on t'a fait un petit discussion, un petit tiré sous code là avec Vini délégation. Bon ami qui dit ma délégation. On parle délégation Vini là, yo a Vini. Yo a pris les oreilles et Claude, yo a pris les oreilles et conseil présidentiel transition. Yo a dit yo quitter Gary Conny travail. Gary Conny li vin là, c'est nous qui t'ai approuvé le bien quitter Gary Conny travail. Me dit ben qui ça bagaille là il là. Comme si Gary Conny li rele ma tante li rele tonton li. Lire les boss si pour venir porter secours, venir défendre parce que nèg yo vle manger. Donc nous t'ai vraiment fait un petit blague sur vini délégation, mais si n'a suivi bien, si n'a suivi bien et question politique dans pays hein, n'a comprendre implication États-Unis dans question que le conseil présidentiel transition, que le choix premier ministre Gary Conny, bah, ça pas un débat sous lui, pas un doute sous lui. Pas un doute sous lui parce que États-Unis trop impliqué, col. Nous pas qu'à lever bon matin pour nous gon ambassadeur nous Washington pour l'anik tant qu'on dans devant rentrer dans grande décision américaine après la caillou. Est-ce que nous ta qu'à gon ambassadeur là qui ta qu'à anik aller pour dire Biden, Biden a dit l'affaire retrait dans question élection pour novembre pour ambassadeur haïtien ta dit Biden nous pas gen droit retirer quoi rester là même l'ordre là arrêter là arrêter là etc. Non yo t'a bien déclarer ambassadeur haïtien personne non grata faire le ramasser tout petit bac en clan shooter d'elle dehors mais nous même si n'a suivi bien yo pas annoncé vini délégation américaine là c'est comme si zé en fait jeudi vendredi, samedi, bagaille dans tout micro la presse, sur tout média et puis lundi yo vini là pour yo vini faire des parties yo chita ensemble pour yo ba moins bon impression que tout va bien et puis en apparence n'a bouel n'a valel que tout va bien et puis après tout le monde n'a bois pa yo après que les affaires pa yo en katimimi. Ça on va le faire, c'est même ça. Et ambassade Linda Thomas Greenfield vient faire là. Li pa vini faire l'autre bagaille. Li vin montre, li vin bayou apparence que tout va bien. Tout va bien au conseil présidentiel transition avec premier ministre Gary Conny. Yo a vini là, yo vann nou apparence, rencontré avec CPTA, là yo fin rencontré avec CPTA, rencontré avec primature avec PM nan, là yo fini fait si photo et puis organisé yon ti rencontre entre deux groupes yo et puis fait photo lagué et puis yo dou tout bagay classé. Dossier classé, Gary Conny, continue ou tout, conseil présidentiel, continue ou tout. Et ça, on vient faire. Et ça, on vient faire, mais entre-temps, mais qui ça nous est de sérieux, de concret, qui a réglé là? Parce que cette priorité population, que Gary Conny te bataille, que Gary Conny pas de bataille, que goumé te pété, que goumé pas de pété, que nègre tap joué de manière verbale ou bien avec pouillette, ça pas garde population, non?
ça m'a concerné le peuple. Sa population a tant nan men nèg yo. C'est sécurité. Parce que nèg k'ap fè politique en Haïti, moi pa jam li intervention Jerry Tordue. La politique en Haïti se fait dans la boue et dans le sang. Donc nous on pral étonné pour yo ta dim que nèg yo mette main youn soufflete l'autre, youn rentre dans maman l'autre, etc. Bon nèg yo te ka même bataille là. Nèg yo te ka youn te ka soufflete l'autre. Ça fait il fait partie de pratique politique haïtienne non. Nous connait combien fois nèg yo kon malmené ancien président Jovenel Moïse, combien fois yo kon tellement saccagé président parole, yo démoralisé Jovenel, nous connait combien fois. Nous connait combien fois. C'est ça réalité politique là oui en Haïti. Donc journée jodi hein, c'est pour nèg yo entendre yo. C'est pour nèg yo entendre yo pour arriver délivrer marchandise, marchandise c'est qui s'allier. Bay peuple en sécurité. Journée jodi an la, c'est examen officiel 9e année fondamentale. Nous kon combien ti moun qui pa arrivé à composer année parce que yo te perdi année l'école là à cause bandi à cause gang. Nous kon combien parents te obligé courir quitter zone ni petit li pa ka fin faire année l'école là malgré te faire effort pour te payer entrer l'école pour te payer en 3 premiers mois. Nous kon combien élèves, nous kon combien ti moun, nous kon combien parents journée jodi an la qui n'a la peine, qui n'a de l'eau danger, c'est code qui m'a rien yo, parce que yo te prend coup de pougna. C'est ça, oui, pour ne pas commencer à régler. Mais non, y a bataille pour direction générale, ou c'est ça m'de vle, ou pas qu'à faire comme ça, c'est si c'est là. Il n'y a pas fait sens. Donc, si Gary Conny, si Premier ministre, si Conseil présidentiel transition, véritablement, yo vle font bagay pour pays, yo. Yo tout te konn kote yo t'ap rentre, yo tout te konn yo t'ap pral faire face à gang, yo tout te konn yo t'ap pral nan jungle parce que c'est là dans la pile là yo te déjà. Claude Joseph pa ka di c'est nouveauté pour lui. Li te ancien premier ministre, yo assassiné un président sous lui, tout est sous contrôle, li te gen pouvoir nan mel, li te ka premier ministre, li te ka même président s'il veut. Li prend pouvoir, li passe barrière, après ça lui il fait je le cherche. Li dou li nan opposition politique, journée jodi li dou c'est li te chaviré Ariel. Chaviré Ariel, est-ce que t'es dans vivre ensemble? Est-ce que t'es chef vivre ensemble? Comment t'es Chaviré Ariel? Parce que ça m'te ouais, Claude Joseph t'a fait courir, descendre sous boudon, monter sous la lune. Ça pas te ka Chaviré Ariel. Ça pas te ka Chaviré Ariel. N'am d'accord avec moi. Donc, je dis, on bagaille tellement pour l'autre niveau. Nous gagnons Moïse Jean-Charles qui réagit. Réagit Moïse Jean-Charles, réagit. Hein? Et Moïse Jean-Charles, li voye gros pinga. D'ailleurs, Moïse, il dit lui, il paraît, partisan le paraît, pour déchouquer Gary Conny. Il paraît pour déchouquer Gary Conny, parce que c'est tic-tac. Horloge a tourné pour aller dans l'opposition. Donc, il n'y a pas fin douce pour Gary Conny. Je vais le permettre de garder et de ensemble avec moi, intervention Moïse Jean-Charles. Oh oui! Oh! Moïse Jean-Charles, Li fait le peuple surprise. Moïse Jean-Charles li gen championnat la pour organiser dans Milo. Moïse Jean-Charles li sponsorise championnat. Ah bon, mais cause. On nous a suivre ensemble avec moi comment ça t'a déroulé. Quitte la presse. On prend la parole dans mitan terrain, dans point central. On t'a voulu dire nous. Gen bagay nous t'ai annoncé l'année dernière là. Gen retard nan yo. Pas besoin de capet là. C'est dans le continent européen nous fait commande là. Il pas arrivé à temps. Et déplacement tout quitter nos pays, quitter Milo, al fait tout le temps ça Port-au-Prince. Ça va nous en pile retard dans le championnat de Coupe Moïse Jean-Charles. Port-au-Prince, nous t'avons dit nous, chaque année nous te promettons, nous avons du plus dans le championnat. Oui, nous respectons l'engagement, nous. Même les années, ça, nous avons un retard. Mais, le retard nous gagne, ça n'est pas capable de bloquer le championnat. Nous lançons le championnat. Dans le final, nous avons parlé de pile de nous annoncé. Enveloppe, la gente dit, nous augmentons. Et nous parlons d'accompagnement à Timachan. Parce que ce n'est pas seulement le football. Mais il y a des gens qui viennent dans le terrain. Qui nous fait l'argent pour être dans l'école.
journaliste, on bagay mon remercier nous la police. Mais maintenant tout comme dit dans la radio magique dans la capitale là, même dans le football, on pas faire football là sans politique. M'a tout annoncé devant la presse, c'est tout. C'est presse sportif là qui là. Mais je même tout dans la société là. Dans le micro, je me répète pour me dire, nous, petites Dessalines, nous ne sommes pas Gary Conny, au chèque en blanc. Et je dis tout, partisans, supporters, petites Dessalines, le gouvernement, ce n'est pas pour nous. Pas pour nous, pour le job. Pour le gouvernement, ça. Nous devons dire ça. Nous-mêmes, qui sommes besoin de petites Dessalines? C'est la paix, sécurité et puis conseil électoral. M'apprécie en pile pays qui félicite Petite Dessalines. Ok. Qui dit c'est grâce à Petite Dessalines qui, gentillant, à partir du travail qu'elle fait, conseil arrivé établi, gouvernement formé rapide, mais qu'on n'a pas le conseil électoral. Mais si on n'a pas le conseil électoral, nous voulons la sécurité. Hein. Moun, qui te sorti dans le ghetto, yo, yo te fait quitter le ghetto, yo, yo te journaliste, yo passe travail, yo pas jeune manger. Si nous, ouais, la vie, nous voulons améliorer. Si nous, ouais, quelle sélection, nous voulons de mise. Laisse ça, chaque que nous bagay connaissons, nous avons écrit toute qualité bagay dans le chèque là. Mais en attendant, nous avons le temps pour nous garder qui c'est qu'à faire. Nous disons que Clément, vision Petite Dessalines, l'engagement de la situation peuple haïtien pour jouer gaz, pas que les gens qui ont assiquillé, la police a mouru, peuple a mouru, grand goût, tout a petit monde. Eh bien, nous faisons sacrifice pour nous faire si nous avons sauvé le monde dans la capitale qui a disparu. Je dis, non seulement nous avons dit, nous félicitons tête, non. Si Gary Conny n'est pas responsable, ça c'est lui. Si le conseil président n'est pas responsable, ça c'est lui. Mais nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Nous travaillons, nous mettons au gouvernement, nous travaillons sur CEP et nous voulons payer à comprendre. C'est parce que moi, l'école n'est pas ouverte. L'année dernière, là, si nous avons perdu, année l'école là. Je suis obligé de faire sacrifice ça. Je suis sorti dans la rion, je travaille pour mon gouvernement. Bon, ça, nous tous, les haïtiens, nous n'avons pas deux ministères, trois ministères là-dedans. Un seul ministère. Comme brasser quoi. Moi, je suis capable de même temps, même ambassadeur américain dit, ils sont contents. Ils ont un petit Dessalines. Pas mandé un ministère galien, un gros ministère. Petit Dessalines prend seulement un petit grand ministère. Non, il faut que nous ayons deux. Votre fin, on dit après, on n'a pas parlé. Parce que moi, c'est là. J'ai besoin. J'ai besoin de Mounio sortir dans sa rue là, on dit. C'est ça, j'ai besoin. En un mot, nous disons toute base Petit Dessalines. Tout le monde petit de Saline, dirigeant yo, allez nous yo, n'a pas gardé, mande yo, tout en moi, Jean-Charles, pour que je me donne là, tout le monde calme yo. Sénateur Moïse Jean-Charles est international là, et complimenté, mais dans tout ça qu'a fait sur le plan politique, Petit Dessalines c'est celle partie qui a perdu dans tout ça qu'a fait là. Comment est-ce que Petit Dessalines? Écoutez, décision prend, il attaque l'idéologie. Décision prend, pour ne pas gourmer, pour le ministère, il n'y a pas d'avantage pour nous, personnellement. Décision pour un, ça commence à mettre la paix dans la capitale là. Mais si je ne parle pas, tout le monde va disparaître. Je dis, on me fait sacrifice là. Mais si moi me fais sacrifice ça, bagaille pas aller bien, rapide. N'a invité la population haïtienne, non, invité Petit Dessalines pour nous dire que aller mal, me laver même, et moi-même dis, je fais tout effort pour nous sortir cette année là. Malheureusement, on ne va pas aller bien. Nous faisons confiance, nous connaissons. Nous avons toujours la vérité. En attendant, nous avons gardé. Si nous ne pouvons pas marcher, nous avons toujours pris un micro, nous avons toujours la conférence pour nous dire ici, nous ne pas marcher. Yo, mais en attendant, yo dernier mot, président. Nous avons fait tout effort nous, pour nous retirer le pays dans ce lieu-là. Le monde entier, que diaspora qui besoin d'entrer, que monde qui veut circuler, monde grand qui veut aller la caillou, monde grand nord, monde qui ne peut pas aller dans le quartier dans le ghetto. Yo. Si toutefois, nous décidons de faire force à eux pour nous, si nous sommes capables d'améliorer la situation de la vie, pour l'école entrée,
si vous tournez l'école, c'est ça le besoin. Merci, M. Bakary. Président, il est délai. Merci. Mais en attendant, tout le monde t'en. Merci, président. Merci, président. Bon. Président, qui ça? Non. Non, de merci, président, président. Et au dernier question. Bon, président, qui ça, hein? Mon petit Jean Flou, président, qui ça? Non. Là, nous sérieux. Moi, Jean-Charles, hier, lieutenant. Pop Milo, t'es gagné championnat, l'organiser championnat, subventionner championnat, il va l'acheter l'équipe. Mais là, c'est, oh, c'est Pop, lui, oui. Là, c'est Pop que moi, Jean-Charles, lui, papa. Et bon. Moi, Jean-Charles, nous sommes tendus, lui. Et c'est comme si, lui, voyons pinga, bail, Gary Koni. Lui, il dit encore, c'est pas la première fois, il dit, il n'y a pas bail, Gary Koni, carte blanche. Gary Koni. Si Gary Koni pas arrivé combler attente li, la passe dans l'autre camp, la passe dans l'opposition. Moi Jean-Charles li râlé côté que il te gagne deux ministères demandé, petite Dessalines demandé deux ministères, au final son ministère bali, li pas fait bruit, li retel petit ministère. Mais on sérieux non. Comme si moi Jean-Charles continue à prendre moun pour macaque. Moi Jean-Charles déclaré et li fait choix ça c'est pour ka sauver peuple haïtien sinon tout le monde t'a péri tout le monde t'a mouri etc. Bon parce que nèg yo pas comprendre toujours peuple là c'est pas toute bagaille qu'on y a peuple haïtien valer pour yo nèg yo ka toujours faire coquin mesdames mais c'est pas bon côté bluff là privé bluff a gon limite même leur bay bluff là ou bay mail gon limite ou pas arriver gon limite ou pas descendre. Donc comme si nous pour qu'on comprenne, nèg yo mette nan tête yo, peuple la pour qu'on comprenne, peuple la pour qu'on wè toujours, c'est comme yo a fait. Lò fin kite choisi ou virer do ou quitter pouvoir etc. ou passer dans la opposition. Ça faut après régler. Pendant tout dernier jour ça yo, mois pral passer là yo. Nèg yo c'est pas million yo a compter là, c'est pas million yo a compter dans affaire zangi dans ministère agriculture. Licence zangi, c'est pas l'argent yo a brasser. Oh, y'a pren moun pou égaré nan kesyon sa. Bon, même dossier, ba yon ki sa vin tellement compliqué, koun y'a parlé de kesyon trafic organe. Se kase fè kouvri sa, etc., etc., y'a fait. Donc, ba yon compliqué. Si moi yon choisi la nan opposition, mande moun pren la ou fè manifestation, faudrait-il que moun sa yon ta sans honte, on ne peut plus. Ça crée les nerfs, ça crée les consciences, ça crée les ticral et ticral bon sens ça yo pas ta gagner. Yo pas ta gon ticras bon sens la kayo. On nèg qui fin participer pendant plusieurs mois. Non monter, non faire complot entre yo pour yo gen pouvoir, yo te gen pouvoir yo nan men yo. C'est yo t'a coupé rache, c'est yo t'a partager, c'est yo t'a séparer gâteau. Ministère c'est yo, direction générale c'est yo. Et puis kounye a pou nèg sa ta dou sorti foule béton al nan la ri al manifeste al pran gaz al pran coup de bâton al pran bal caoutchouc al pran dlo gratte pou ta fè figou di vrai pou ta dou pral nan manifestation. Hey, bah ça d'ab grave. Ou m'ap tan yo parce que m konnen gen moun ki san ont a un point tel gen militant ki tellement san ont ki tellement désespéré. Qui tellement désespéré, oui. Même pour 100 gouttes de foule béton, on n'a pas besoin d'eau. Donc ça veut dire, nèg sa yo ka fè politique, yo toujours assuré, yo gon longueur d'avance, yo gon dernier zèl 4. Voilà, moi fier pour le dou. Même ambassade américaine, oui. Yo content parce que yo wè moi je sal pas nan laisser frapper pour ministère égalien. Et puis il fut un temps. Moi, je sais, li tap lapide tout moun ka parle de ambassade américaine comme ça. Et puis, je dis, li même avec ambassadeur américain, il y a contact Figaro. Nèg yo manje nan même assiette. Oui, yo manje nan même assiette, yo prend nan même verre, yo manje ak même guiye. Oui, tellement nèg yo partner yo pote, oui. OK. En tout cas, préparez-nous et si on n'est pas changé, Gary Koni, li pral face avec Moïse Jean-Charles. Et si je dis en là, il va arriver à les oreilles de Claude Joseph tout. Et Claude Joseph va passer dans l'opposition, oui, parce que le 10 PM, il va foutre faire révoquer. Je suis obligé de dire que c'est un jeune. Il va foutre faire révoquer.
Quand il connaît dire ben vinn prendre dans primaire juste ou gen grand nan tel bagaille. OK. Donc c'est comme ça nèg yo a fait li parce que affaire politique nèg ici yo prêt pour yo touyer, yo prêt pour yo faire salier ya pour yo kembe pouvoir. Mes chers compatriotes, faut moi di nou développement Haïti, progrès Haïti, ça mandé en pile effort. J'ai fort pas bon côté population pour nous prendre conscience que pays nous pas arrêter comme ça. Ça mandé tout investissement étranger, tout dépend. Mais pour ça arriver fait, faut gain stabilité dans pays, faut gain sécurité dans pays, etc., etc. Pour investissement étranger fait. Depuis 2018, sous président Jovenel Moïse, t'es un gros tonton projet et que Oasis Village, yo même, yo te décidé pour yo mettre campé. Kote gagné 19 entreprises étrangères qui yo même yo te préparé yo là pour yo vin investi gros capital dans pays d'Haïti, en pile l'argent pour yo te vin investi pour yo mettre campé en zone franche. De 2018, sous président Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, administration Jovenel là, yo roulé moun yo nan farine, roulé yo nan farine, rien pas fait. Un projet qui a créé 16 000 emplois directs et 80 000 emplois indirects. Ça veut dire directement 16 000 moun t'ap joine travail et indirectement par rapport avec moun k'ap travail yo, l'autre moun yo a aidé, etc. Et gagné 80 000 emplois indirects qui t'apprend à créer. Yo assassiné Jovenel Moïse, Ariel Monté. Yo recommencé, yo retamé nouvelle démarche administrative pour yo wè est-ce que yo a accordé yo non objection avec projet si là. Ariel fait près de plus que 30 mois. Ariel pas fait rien. Ariel pas répond favorablement. Eh bien, je ne jodi an la, avec nouvelle administration qui la, Conseil présidentiel transition, ak Premier ministre Gary Conille, eh bien, yon genye projet sa devant yon. Yon projet qui est évalué à plusieurs milliards de dollars américains. Mais, nan kad projet si la, gen pile question ka pose. Gen question ki gen pouwe avec. Est-ce que moun sa yo pa vin fè exploitation nan sous-sol nou? Et est-ce que yo pa vin piller en batè nou? Est-ce que yo pa vin pran et sa nou genyen comme ressources naturelles, comme ressources minerais et ki sa bagay lan ye? Eh bien nou genyen docteur Palerme Maturin ki li même li se youn nan major jon projet si la. C'est pas première fois, c'est pas deuxième fois, c'est pas troisième fois. Li a abordé projet ça pour grand public là ka konnen pour grand public là ka konnen ki niveau mauvaise foi et ki gagne au plus haut niveau de l'état mais fois ça docteur Palerme Maturin pensait c'est dernier zèl 4 là il pensait l'en bonboa li nan bonboa parce que il dit administration qui là conseil présidentiel là favorable li fait konnen premier ministre Gary Conille au plus haut niveau de l'état nèg yo favorable yo c'est belle bagaille c'est gros bagaille qui ka aider Haïti mais pour ça arriver possible gagner des conditions préalables qui doit respecter nous pral gagner détail yo pral permettre nous tande dans bon ti mamite toute explication que docteur Palerme Maturin lui-même li a baille et dans dossier si là puisque déjà là tout dossier administratif yo yo déjà fin préparé, c'est seulement un seul petit bagaille yo attend par bon côté pouvoir l'état. Yo ti oui. Donc on va le suivre ensemble avec moi qui ça t'a bailler comme réponse par rapport à question qui t'a posé. Le projet Oasis Village, selon les informations que le docteur Mathieu a partagé avec Métropole, c'est un projet qui est capable de générer environ 16 000 emplois directs avec plus de 80 000 emplois indirect. Est-ce possible? Est-ce une réalité? Première question, qui côté nous est aujourd'hui? Est-ce que gain espoir toujours? Est-ce que projet a pas besoin de grand-chose encore pour nous démarrer? Est-ce que plan on peut le détacher des ailes du projet? Moi, je suis un monde qui naturellement est toujours très et
positif et très proactif. Et donc, tant que gagne la vie, gagne espoir. Et dans le cadre du projet Oasis Village, là, et premier espoir qui gagne, c'est le fait que et en septembre de l'année dernière, nous avons eu un risque pour que les principaux partenaires qui ont porté le projet ensemble avec nous, comme groupe haïtien, l'inquiétude qui a gagné, c'était perdu partenaire ça. Parce que pour faire ce genre de projet, ça a besoin de connexion internationale là, et au besoin d'assurance que la connexion est maintenue. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2021, et en septembre 2022, nous avons signé un accord de partenariat et d'investissement avec le groupe UPH NBlue, qui avec nous et entendent pour que nous développions l'infrastructure. Mais l'accord de partenariat ça a été établi sous une période de un an et nous avons gagné un an renouvelable. Donc, l'inquiétude qui gagne, c'est sous temps. Parce que et en septembre 2023, nous avons consommé première année, alors que là, nous avons parlé avec la Direction générale des zones franches. J'ai été recevoir le projet avec bras ouverts. Tu as laissé nous comprendre que dans 3 mois, donc 90 jours, que et toute bagaille d'un point de vue administratif, tu as censé au point pour te permettre que nous démarrions le projet rapidement. Donc, là, nous gardons l'année 2022 à 2023 passé. Et malheureusement, nous consommons une année et que le projet a toute étape administrative liée traversée et l'itérité. Nous sommes jamais, on t'a dit que tu as des ministres du gouvernement précédent qui t'a OK. Oui, qui t'a approuvé. Et le ministre du Commerce et de l'Industrie était très favorable. Et le ministère de l'Économie et des Finances, tous les deux, t'ont recevoir moi, et ceci en plus d'une fois, et confirmer l'intérêt que vous avez pour un tel projet. Mais tout te dit que, compte tenu de taille et montant d'investissement que vous avez pour injecter dans le projet, ça, vous n'avez pas fait un pas d'avance sans pas gagner la non-objection du Premier ministre. Et c'est à ce niveau. Ce qu'on n'a jamais obtenu. Et c'est à ce niveau que le projet a été bloqué. Et moyennant, nous, avec le changement et administratif et politique qui fait dans notre pays, et là, nous gardons les objectifs et que la nouvelle administration ça a baillé tête li, que nous croyons qu'il a résumé en 3 bagailles. Premier, c'est. Et rétablir la sécurité et sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, c'est organiser des élections libres et transparentes. Et troisièmement, c'est relancer l'économie PIA, et notamment avec une emphase sur la création d'emplois. Donc, et nous rendons compte que le projet Oasis Village est capable de très grande utilité pour Haïti, et ceci dans tous les 3 niveaux. Ça. Et donc, dans ce sens, ça nous dit qu'il y a un pile espoir. Et de fait, il y a une nouvelle administration qui est rentrée, il y a un accueil et au plus haut niveau de l'État et qui exprimait et à notre endroit et qui permet que nous été très positifs et nous espérer que et ça qui était posé obstacle à l'avancement projet et que nous espérons dans un temps relativement court que l'obstacle sera capable de lever. Il y a un gros partenaire qui est en tête de groupe là, c'est une entreprise qui est lui-même spécialisée dans le raffinage des minerais à très haute valeur ajoutée, l'or, diamant et les produits associés. Entreprise ça lui-même. Faut-il couper là pour ne pas faire une guerre sautée. Là, nous disons qu'il y a une raffinerie qui est venue et qui est spécialisée dans la question de l'or et autres. Et autres. Tout retirer ça dans la tête, si c'est le cas, on ne peut pas croire que c'est exploiter, nous ne pouvons pas l'exploiter. Non, et l'entreprise, ça elle-même spécialisée dans le raffinage. Raffinage, l'or, soit prend chaîne l'or, là, donc filière l'or, là, il y a à peu près entre 9 et 11 étapes là-dedans. Donc, exploitation, l'or, ça parle en métier, non. Ça qui est dans le métier, groupe ça qui vient là, c'est raffinage, l'or. Donc, entreprise ça, elle a acheté déjà, elle a exploré, exploité déjà des quantités, des millions de tonnes métriques de minerais
et que ces tonnes métriques de minerais Sahara qui exploitaient un peu partout en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, que yo pral amener vers Haïti. Il y a prend l'autre côté. Il y a prend minerais. L'autre côté. L'autre côté, il y a mené vin fait dernière étape de transformation en Haïti. Donc étape de transformation ça, pas gain rien, pas gain yon qui est terre en Haïti qui va l'exploiter, qui va le transformer dans usine, dans usine ça. Toute matière première là, et c'est pour ça qu'il faut besoin un port de capacité pour recevoir matière première là. Mon bagage devant dans là qui s'en va avec l'eau, c'est ça, c'est pas et entreprise voilà. Et ouais ça c'est une unité de production et que entreprise ça qui vient là li sorti et échantillon ça. Ba on est sinon ouais li de près. Voilà. Ouais ça c'est yon pièce d'or à 100%. Ça que nous dans là. Ça. Entreprise ça, li rele UPH and Blue et c'est yon nan pi gwo et opérateur sous marché mondial l'or. Donc ouais et pièce ça, alors de fait ouais tout ça, ouais ça c'est la face de la terre. Et c'est les pays, les différents continents. Donc il est présent sous tout continent. OK. Essayez virer là encore pour moi, même l'autre face là pour moi. Face ça. Yeah. OK. Bon, ça lui-même c'est il y a un langage et est-ce que je peux rentrer dans tout le détail ça? Non, on va obliger. Ça dépend de où. Son carte électronique qu'il a, c'est que pièce ça, et quel que soit côté lié dans le monde, il y a pour elle. Pièce ça que nous avons là. Pièce ça. Et si vous regardez, ouais, et façade ça, qu'on est là, façade ça, il y a tout un langage et profondément scientifique et technologique qui est inscrit sur lui là. Et qui pour et dans histoire là ça bah même c'est moi j'ai besoin de perdre temps mais c'est comprendre non c'est, parce que c'est, ça c'est du chinois pièce ça ou là c'est que li gagne toute information sous caractéristique là ça sous territoire côté que yo et yo exploité là sous toute chaîne côté que le passé pour yo purifier li et pour yo arriver faire produit fini ça parce que l'or pas marché dans le monde. L'or pas marché. Non, l'or depuis l'or a fini et raffiné, yo mettez li sous forme de et lingot. Et ben c'est des certificats qui attestaient que à tel endroit il y a telle quantité d'or qui stocké. Les l'or a déplacé, c'est un bagage qui encadré militairement. Parce que c'est pour un petit jouet. OK. Donc, imaginez qui ça peut passer là. Grâce à Baïsa, si nous arrivons, si l'État haïtien comprend l'importance stratégique d'investissement qui pourrait le faire là, c'est chercher, ou pourrait le chercher, une ressource essentielle et importante dans le monde, ou mener, venir transformer ce territoire-là avec la possibilité de Kembel en territoire-là. Autrement dit, et là nous finissons de mettre le projet en place, nous espérons que l'autorité bancaire, monétaire et financière pays a gain des discussions extrêmement élevées qui pral gain pour le fait et ceci un gros avantage c'est parce que en zone franche installer dans le pays c'est toujours un partenariat public privé parce que dans le territoire donc l'état a, parlé. L'état a directement impliqué dans l'opération parce que le territoire le foncier même les nous signés protocole et tout accord qui pral gen pour signer avec compagnie nous qui c'est la compagnie haïtienne qui menait partenaire là partenariat que nous signons à partenaire là c'est compagnie pas nous gen toute responsabilité de discuter de A jusqu'à Z avec l'État haïtien. Donc si nous pas gagné autorisation yo opérateur ça pas jamais rentrer dans pays. Maintenant me songe dernière fois moi été recevoir là docteur Jean-Paul Mathurin. Il y a des gens qui t'ont posé cette question à savoir, bagay sa yo, type de projet sa yo, ou envisager yo dans le pays qui a marché. Là, en Haïti, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité. Pas grand investisseur sérieux, pas grand entreprise sérieuse qui a d'accord venir investir autant d'argent dans le pays tant qu'Haïti. Quelle réponse qu'on a gagné pour
monde qui pensait que nous pas capable d'aller dans l'état actuel des choses recevoir autant d'argent, autant d'entreprises. Mais ça qui fait nous avons instabilité, ça qui fait nous avons insécurité, ça qui fait nous avons gang, c'est parce que pas d'intérêt dans le pays. Parce que c'est ça qui fait que y a autant de monde qui a un bras libre que gangster qui a acheté, qui a utilisé yo, et pour payer un petit cop par jour, pour faire yo, et rendre le pays ingouvernable. C'est parce que n'y a pas de travail. Donc, n'a pas de problème là à l'envers. Si le pays a, par exemple, été encadré par des activités économiques, par des activités dans les domaines portuaires, par des activités dans les domaines aéroportuaires, par des activités industrielles, par des activités de technologie, par des activités éducationnelles, et par les services de soins, etc. Non, est-ce non, qu'on pense qu'on a une quantité de monde ça? Mais docteur, là où expliquez-nous, si vous voulez, côté problème dans sorti. Mais l'étranger, le alors, l'inverse. L'entrepreneur, ou encore Haïti, vu de l'extérieur. Oui, moi, je dis ça, ma préponde encore que, justement, c'est que côté où il y a un pile risque, il y a un pile opportunité. Là, ma préponde nous en langage entrepreneur. Mm-hmm. Quel que soit côté où il y a un pile risque, il y a beaucoup plus d'opportunités. Parce que pour diminuer le risque, là, c'est opportunité pour mettre en valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, pour qui ça fait des investisseurs étrangers capables, malgré tout, très intéressés à Haïti? Ça n'a pas l'air là, ce n'est que qu'un groupe. Pour Haïtiens, frère Axum, capitaine Dimla, m'a dit que le groupe a dit Haïti Développement Industriel International, qui a mené le projet ça, nous gagnons à peu près 5 grands groupes d'entreprises mondiales qui a frappé porte nous parce que chaque tarimé que nous positionnons, même j'en ai positionné Oasis Village dans le Nord-Est, chaque tarimé que nous positionnons, nous côté dans le pays. Pour me dire que ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons d'aller dans le Nord-Est, c'est la direction générale des zones franches qui dit nous, ah, si vous voulez venir faire tel bagaille, mais qui côté pour qu'on fait. Donc, ceci dit, la peur parle en tête. Entrepreneur et investisseur. Parce que ça, l'a cherché, c'est qui côté est capable de sécuriser l'investissement que j'ai besoin de faire. Et l'avantage qui gagne, c'est que vous remarquez, toute zone qui a plus de problèmes, c'est dans la zone autour de la capitale de Port-au-Prince. Je te dis au départ tout que un investissement dans type zone franche, il y a une responsabilité pour l'assurer sécurité de toute opération qui a fait dans zone franche. Donc, ceci dit, problème d'insécurité que n'a pas l'air, ils sont des choses qui sont capables de relativiser. Parce qu'il faut que nous ne mettions pas en premier plan. Et d'autant que côté investissement, ça le fait là, il n'est pas fait dans Port-au-Prince. Et il y a des mesures de sécurité qu'on prend depuis ou après rapprocher de zone ça, qui pour permettre que vous identifier malin sous quelque forme que vous avez passé. Parce que là, vous n'avez pas mettre des milliards de dollars et des technologies extrêmement avancées. Et pour créer opportunité ça, vous pensez que vous allez quitter deux trois vagabonds qui pensent que quelqu'un a utilisé les voies maritimes, quelqu'un a utilisé les drones aériens ou bien quelqu'un a utilisé les voies terrestres pour rentrer venir attaquer l'infrastructure ça. Et l'État pays il y a un qui a une responsabilité pour couvrir la zone en sécurité, mais acteurs économiques qui investit dans la zone ça, qui a capacité. C'est pas on l'État qui affaiblit. Non, Jean Léa. Non. Peut-être... Même nous pas prêt à aller dans zone ça parce que ouais l'État voulait frapper pied la terre. Si l'État est en combinaison avec gangster, c'est dirigeant l'État en combinaison avec gangster, ça sont l'autre bagaille. Mais une administration qui voulait porter pays vers le haut, pas aucun petit bagaille gang qui peut empêcher le mener vers le haut. Et c'est dans ce sens ça, il y a besoin justement d'investissement dans qualité ça on a parlé là qui pour diversifier production pays qui pour décentraliser opération de production yo, qui pour permettre que le pays ait plusieurs points qui produit richesse et qui offrir meilleure qualité de vie. Docteur Jean-Palerme Mathurin, merci pour disponibilité. On a pris une petite pause et puis on a tourné parce qu'il y a des questions que pour nous intéresser qu'on ait et comprendre. Par exemple, si on a une cette non-objection, nous espérons qu'on a jeune, même si on me dit si, c'est peut-être une façon de parler. Lorsque lorsqu'on va joindre cette non-objection de la part des autorités constituées, n'a pris combien de temps pour nous commencer ouais belle bagarre à faire en Haïti? Question nous t'as dit avant. D'abord, tout le monde sait, côté n'a pas besoin de main d'œuvre qualifiée pour yo, docteur Mathurin.
OK. Dans les 16, les premiers 16 000 emplois directs, il y a 3 000 et compagnies ont rentré avec 3 000 dans les professionnels. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons gagné pour nous fournir 13 000. Il y a un exercice que nous faisons. Nous faisons une importante réunion avec les représentants de toutes les centres, de tous les centres et de toutes les universités, centres de formation technique professionnelle qui sont dans la région Nord. Et en réalité, nous regardons les métiers et les spécialités et qui gagnent 13 000 emplois. Ça, malheureusement, système éducatif et système de formation dans la région pas produit monde dans le niveau ça. Donc, ça nous remarquons, c'est que nous faisons entente avec les représentants de ressources humaines dans 19 entreprises. Et dans une partie de la première question que tu as posée, la réponse là, en partie la donne. C'est que dans les premiers 3 mois que nous gagnons et autorisation, nous avons organisé la séance de pause première pierre de projet. Et dans la séance de pause première pierre, ça a représentant de chaque entreprise ça va rentrer et va rentrer avec représentant ressources humaines. Nous allons regarder pour nous comment tisser un partenariat avec entreprise ça et environnement de formation dans la région nord pays. Parce que ou pas qu'à importer tout le monde ça, il y a un pile de haïtiens que nous avons besoin là, c'est dans la diaspora qu'on va obligé sortir pour venir travailler. Mais les conditions de travail sont tellement attractives que vous pas hésiter à quitter poste que tu es dans n'importe quel pays pour retourner, venir installer, venir travailler. Ici. Ça, c'est pour les postes spécialisés. Les métiers, non. Par exemple, soit prend, je dis en là, si on parle de, si nous prenons par exemple l'industrie et minerais, je dis en, on pas gagner des ingénieurs dans le domaine thermique. Il a parlé de chaleur. De, parce que là, c'est une technologie qui va l'utiliser en pile énergie pour fondre. Ça, on pas gagner des ingénieurs. Et si vous prenez seulement branche et raffinerie, raffinerie et produits métalliques précieux, li accompagne li de deux autres chaînes d'activité. Parce que pas grand rien qui a perdu dans l'opération. C'est que matière, ça a depuis rentré en Haïti, toutes ces sous forme de produits à valeur ajoutée que vous pouvez sortir, que ce soit sous forme de minerais, que ce soit sous forme de produits à destination des industries fabriquant le ciment, par exemple, etc. Parce que pas grand rien qui a perdu. Donc, c'est matière qui va rentrer et c'est produit. Est-ce que, donc, dans tout domaine, ça arrive. Est-ce que toi, dis-nous là, que nous ne pouvons pas trop inquiéter nous par rapport à côté déchets, pas de gain pour déverser? Pas de déchets dans aucun bagage qui va le faire là. Donc, la gestion de l'environnement sera garantie, prise en compte. Garantie. Non, parce que pour me dire que la finalité de zone franche Oasis Village, c'est fini sous forme de une zone économique spéciale. Une zone économique spéciale, c'est une ville. C'est une méga ville. Une ville d'affaires. Donc, vous comprenez, l'environnement, je dis, hein, et les sciences de l'environnement font partie de nouveaux domaines et de recherche et nouveaux domaines et qui enrichissent le monde. Parce que l'environnement sont partie intégrante de l'économie. Donc, là, on a parlé de zones côté qu'un pile monde qui gagne pile corps pour décider de déplacer pour venir loger dans une ville, ça, qui est une ville moderne. Donc, son ville, nous allons créer. Là, on a commencé avec la zone franche. Là. Les lois pays ont autorisé la mise en place des zones économiques spéciales. Ils ont transformé le statut de zone franche là, en zone économique spéciale. Et les SAR ont déployé deuxième et troisième phase projet. Donc, ceci dit, pas gain aucun rejet. Lorsque vous transformez minerais pour retirer métaux précieux là-dedans, surcharge énergie qui a tourné là-dedans, là, a réintégré pour chauffer de l'eau pour toute zone franche là. Parce que pour comprendre, pas de réchauffement en termes thermiques. Deuxième bagaille qu'on y a, c'est que ouais, dans le métier, ça a aujourd'hui, nous avons un monde dans le pays. Donc, nous obligés à aller chercher haïtiens qui qualifient, qui de l'autre côté. Pendant ce temps-là, on dit, toutes les ressources humaines, ça a venu pour, ouais, ensemble avec le système universitaire ici, a, les formes de partenariat pour amener les matériels didactiques et le personnel qualifié qui pour préparer en partenariat avec l'université, yo, pour entraîner haïtiens qui pourraient profiter de job ça. OK, donc c'est pas un bagage qui a fait et en département avec l'environnement humain et l'environnement intellectuel de pays a, nous connaît dans qui est à pays a. Donc c'est construit capacité ça au fur et à mesure. Donc les 5 ans, on a créé 19 000 et 16 000 emplois directs ça, mais pendant 5 ans ça,
c'est que on a créé main d'œuvre là tout, on a monté avec les jeunes et les femmes notamment. Mais comment ça a privé possible, docteur, quand nous connaissons que nous pas un parlement? Ça n'a pas n'a rien à voir avec le parlement. La bon loi de 2003 qui baille la marche à suivre pour créer une zone franche. Loi ça, c'est le parlement qui a voté. Donc il créer une infrastructure institutionnelle que les exécutifs dans le pays a capable d'utiliser. Gain des côtés où pas le besoin parlement. Oui, si par exemple, on a besoin de signer un contrat pour exploitation de un produit dans sous-sol territoire. On a besoin donc, que ça t'est fait déjà parce que me songe à un moment donné, tu gagnais parlementaire qui était levé campé d'ailleurs en compagnie, c'était la compagnie Sainte-Geneviève, non? Et qui était en Haïti, qui était commencé à explorer, même exploiter, d'après ça, on dit. Et toute opération était suspendue après levée de bouclier de ces parlementaires. Non, c'est pas le même bagage. Non, là, ou pas dans l'exploitation. Donc, ou pas gagner rien qui vient prendre ni voler aucune ressource dans le pays. L'opération qui a fait là, c'est des opérations qui a fait pour mener matière, ajouter valeur, transformer matériaux et réexporter, utiliser. Pas gagner prélèvement qu'après le fait au niveau du territoire national. Par contre, ressources et valeurs qu'après le créer là, une grande partie qu'après gagner pour redistribuer sous forme de salaire et sous forme de paiement de droits. L'État haïtien, par exemple, a associé dans l'opération. Alors, il faut que nous comprenions comment on bagaille comme ça, pour qui ça fait les zones franches utilisées pour permettre une série de pays de prendre des décollage. L'État dans le pays a développé des stratégies et a dépensé un pile cob pour aller chercher entreprises qui ont accès sur le marché international. Parce que y a un premier avantage que ça a, lorsque vous arrivez mener des entreprises internationales installées là, ou une porte que ouvert sur le monde à partir de l'entreprise. Voilà, nous sommes en train d'intervention, docteur Palerme Mathurin. Est-ce que fois ça, c'est tout bon? Est-ce que fois ça, administration qu'il a, conseil présidentiel transition, avec tout premier ministre Garry Conille, il va approuver, il va valider zone franche, oasis, village. Est-ce que il va le faire? Est-ce que dans les mois à venir, dans les prochains mois, yo, nous pouvons peut-être espérer de grands investissements qui pourraient le faire dans le pays? Investissements, bien entendu, qui a gagné des retombées économiques. Retombées économiques, nous déjà attendons une opportunité pour gagner un travail qui crée dans le pays. 16 000 emplois directs, 80 000 emplois indirects. Gagne plusieurs qualités entreprises cap gagne pour ta vini dans pays ya. Et côté qui te gagne inquiétude côté en pile moun t'a posé question par rapport avec et entreprise cap gagne pour participer au gagne entreprise qui lui-même li spécialisé et c'est dans question exploitation c'est dans question raffinage lui-même yo opéré. Eh bien, le docteur Palerme Mathurin li bay des détails côté que lui expliquer même outil qui était yo pa pran Haïti pour yo aller avec lui. Donc plus ou moins gen moun ki commencé senti au confortable par rapport avec intervention par rapport avec détail qui bay. Mais est-ce que dans la réalité vraiment est-ce que pa gagner exploitation parce que entreprise qui spécialise dans raffinage bon qui soit vin raffiner. Est-ce que wap la? Est-ce que vous pouvez faire partie de zone franche par rapport avec l'autre entreprise qui peut-être ka besoin service ou qui soit pral raffiner? Qui sont prêts à raffiner. Donc, je ne parle pas pour les gens qui viennent piéger, je ne parle pas pour les gens qui viennent tirer profit de vulnérabilité, ou bien de situation critique que nous avons traversé jour et jour dans le pays. Pendant que les gens viennent, ils ont mis ça, ils ont porté la manne pour, ils ont porté un trésor caché pour, ils ont découvert, ils ont porté un gros investissement, création d'emplois qui pourraient générer l'argent, qui pourraient faire nous faire comme, mais ils pourraient le faire comme d'où. Yo pral fè comme tout, yo pral fè comme. Donc, pas de problème. Pas de problème depuis principe respecté, depuis haïtien bénéficiaire. Mais m'espérez, c'est pas Jean Codévi a fait là. M'espérez, c'est pas Jean Codévi a fait là, parce que Codévi te vini, yo installe les zones franches, etc., pour yo créer travail. Et au final, l'on a regardé, c'est une forme d'exploitation liée.
c'est manger courage malheureux malheureuse. C'est main d'œuvre à bon marché, vous êtes venu chercher. C'est capacité de travail haïtien, vous avez besoin vraiment. Mais avant virer dominicain, vous toujours traité haïtien mal. Donc, en dépit de situation, en dépit de l'opportunité, ça, nous avons besoin de monde au plus haut niveau de l'État qui a campé pour faire négociation, ou bien, qui a campé pour mettre balise au côté pour mettre, pour bailler limite à toute entreprise pour connait si on t'a approuvé si on t'a venu là mes bout de terrain mes limites yo mais qui domaine et mes qui champ et de travail yo mais qui domaine de travail etc. pour yo pas empiéter pour pendant nous connait entreprise yo vin là vin créer travail et puis en bas pour faire l'autre bagaille ça est extrêmement important. Donc si c'est occasion en plus pour gagner création d'emploi pour gagner yeux fixés sur pays pour aider bon progrès bon relance économie haïtienne non donc si c'est un bagage que l'État qu'arrive contrôler pour une fois qu'arrive et structurer pour une fois qui ca aider pays qui ca aider peuple haïtien que yo fait ça qui nécessaire que yo fait ça qui a bon pour pays ça qui a bon qui a contribué dans bien-être population pour aider pays à avancer. Donc n'a suivre pour nous de très près qui décision qui va le prendre dans jour dans mois qui vient pour venir yo dans projet si là qui concerne zone franche oasis village. Compatriotes haïtiens frères sœurs avant nous aller nous gagnons yon zanmi émission qui lui-même qui a fêté et nous gagne Nickenson AC qui a fêté yon nouveau printemps jodi an c'est anniversaire li donc n'a voye en pile l'amour pour li n'a souhaité frère non joyeuse fête d'anniversaire en pile l'amour pour en pile respect pour rete bel nom bel moun positif sort que avec en pile énergie qui toujours gagne bon conseil bon bagaille la partager donc continuer. Enjoy journée, on fait toutes sortes envie, fait toutes sortes les fait pour journée. On va quitter aucun monde dérangeant. Et puis s'attendez à la fête là jusqu'à dimanche prochain. Faites la continuer jusqu'à dimanche prochain. Toutes leurs amis, toutes leurs fanatiques supporters plateforme qui a fêté en occasion spéciale, maintenant toute équipe là n'a souhaité de joyeuses fêtes. Cela n'a metté en bout dans émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous porter information si là pour vous. Restez connecté à channel là pour cette programmation, rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick, l'on même voir.